Un nouveau numéro de Nouvelle Maison pour une nouvelle vie est diffusé ce jeudi 25 mai dès 18h40 sur M6. Télé Loisirs vous propose un extrait exclusif de l'émission de Stéphane Plaza particulièrement fort en émotion. Trouver son chez-soi n'est pas toujours chose aisée. Ce jeudi 25 mai 2023, M6 propose un nouvel épisode de son nouveau programme immobilier intitulé Nouvelle Maison pour une nouvelle vie dès 18h40. Incarné par Stéphane Plaza, l'émission est arrivée il y a quelques jours à l'antenne en remplacement de La Meilleure Boulangerie de France, dont la finale était diffusée ce vendredi 12 mai. Le principe, venir en aide à ceux qui souhaitent complètement changer d'environnement. Pour chaque mission, l'animateur de Maison à Vendre est épaulé de deux autres agents locaux. Contrairement à l'émission Chasseur d'appart, ces derniers ne sont pas en compétition pour remporter une récompense. Stéphane Plaza, Nouvelle Maison pour une nouvelle vie, ému par les larmes d'un participant, ça me touche dans ce nouveau numéro, les téléspectateurs vont faire la connaissance d'Abel et Robertu. Volontaire à l'idée de démarrer une nouvelle vie en Gironde, le couple va pouvoir visiter plusieurs biens. Dans l'extrait exclusif que vous propose Télé Loisirs, les deux participants sont immédiatement séduits par une maison proposée au point que l'un d'entre eux soit particulièrement ému. Au moment de découvrir la pièce de vie de 80 mètres carrés, Robertu fond en larmes et en explique les raisons face caméra, « J'ai les larmes qui montent quand je rentre dans cette pièce parce que c'y est un espace qui dégage quelque chose que je cherche depuis longtemps et je ne savais pas qu'un endroit pouvait me faire cet effet. Je ne suis pas quelqu'un qui est déstabilisé mais là, je le suis. Une situation qui ne veut pas laisser insensible Stéphane Plaza. Le changement de vie, si est-il peut-être pour maintenant, ça me touche confie-t-il en découvrant les images. Nouvelle maison pour une nouvelle vie, un défaut perturbe Abel et Robertu néanmoins, cette visite idyllique s'assombrit au moment de découvrir le jardin. Abel et Robertu, qui cherchent un extérieur de 250 mètres carrés pointent l'important vis-à-vis, qui empêcherait de profiter pleinement de leur piscine. Si est-il peut-être dommage que les voisins nous voient, souligne Robertu. Un défaut que l'agent concède mais auquel il a une solution, des voiles d'ombrage. Vous avez largement la possibilité de l'accrocher, il y a pas mal de murs, ce sont des murs pierre, si est-il du solide, ce qui vous permet de pas avoir de visu sur les deux fenêtres. Une parade que l'agent immobilier le plus célèbre du PAF approuve. Reste à savoir si elle satisfera les éventuels acquéreurs. À lire aussi, on a tellement travaillé pour en arriver là, une retraitée fond en larmes dans Nouvelle Maison pour une nouvelle vie.